Hein? Mathieu est à fleur de montagne. Toi, t'es à fleur de peau. Oh, waouh! Il y a un oiseau. Joli. Voilà, t'es une star. Allez. C'est un film qui sera vu par 12 personnes. It is time to choose a direction. Ça fait des années que je suis paumé. Je viens de prendre une branche dans le cul. Rouler par là? Mourir par là? Ouh, j'ai perdu Céline. Merde, je sais pas si la GoPro elle est étanche. Ah bah c'était bien. Hein. Viens, on se fout là, on fait yoga. Cette semaine, je me pose au Pays Basque et je passe du temps chez une amie, Céline, avec qui je compte pas mal discuter du sens de mon périple. En fait, je suis en constante hésitation de pourquoi je fais ça, tu vois. Alors, quel est le but? Et plus je mentalise le truc, moins j'ai de solution, enfin, moins j'ai de réponse, tu vois. Du coup, tu cherches plus le but? Bah, je l'ai trouvé en arrêtant de le chercher, ouais. Ah, je suis grave d'accord avec ça. En fait, le seul but, tu vas oublier qu'il y a un but, quoi, quelque part. Oui. Et de s'ancrer dans le présent et de pas se laisser glisser dans le futur parce que c'est fait de peur, et de pas se laisser glisser dans le passé parce que c'est fait de souffrance. Pour cette étape, je me laisse guider par la carte de la papesse, le questionnement et le renoncement, avec pas mal de nature et sport pour aider l'introspection. C'est pas parce qu'on habite dans un endroit qu'on n'est pas voué à bouger à un moment donné, quoi. Pour arriver, j'ai même pas fait de stop, parce que Céline prenait le même chemin que moi. Mais j'ai gardé mon programme habituel de rapper d'incruste. Quand tu fais du stop, tu te sens un peu obligé de parler, tu vois. Enfin, logique, tu viens déjà tout incruste dans la case de quelqu'un. Si en plus tu restes silencieux et chelou, ça le fait pas, tu vois. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Par contre, je pense que je peux faire l'ours. Oh oh. Donc là, pour une fois, j'étais avec des gens qui parlaient pas du tout ma langue. On matait un film, donc c'était reposant. Un film que je pouvais même pas comprendre. Il parlait français? Non, il parlait pas français. Il parlait anglais un peu? Que dalle. Espagnol? Bah, je sais pas. On va faire un selfie de poupoune. Une poupounade. Une poupounade. Une poupounade. Une poupounade encore roulée. Instantanément, j'ai trouvé des gens qui m'ont déposé à l'arrêt de bus. Des jeunes qui bombardaient à 150 km/h en grillant des feux rouges devant les keufs. Nickel. Regarde comme tu marches, Céline. Regarde, regarde. On dirait qu'elle se pète les chevilles. Après, dans le voyage aussi, j'ai l'impression de retrouver pas mal, tu vois. Oui, parce que... Là, clairement, genre, je te vois toi, j'ai vu Sophie, que j'ai pas vue depuis des années, je vais peut-être voir Lorraine. Pourquoi pas. Tu vas la voir? Oui. T'as pas vlogué ce soir, toi? Ben voilà. Wow. Hello. Vous parlez du rapport intergénérationnel. Ouais. Bah, depuis que je travaille dans ce potager avec Odette et Agnès. C'est vraiment leur nom? Tu les as pas inventés? Oui. Ah non, il y a okay. Gunther aussi. Gunther, c'est un Allemand. Il est là avec sa petite lunette loupe. Ouais. Et il est trop mignon parce qu'il est en train d'enlever des petites feuilles de calendula. Et il regardait comme ça avec ses petits yeux. Et c'était trop mignon. Vas-y. Je préfère gérer les effets. Là, c'est ambiance 3h du mat dans la cave de Ronnie Sous-Bois. À Trifouille, les oies, AK, Céline. Vas-y.
Donne-moi un thème. Ça s'arrache, là, il est 6h du mat. Ça part en couille, il y a tout le monde qui est en sous-tasse. Oh, oh. Merci d'être venu. On se tient un jour. Oui. Bah oui, on n'est pas ça, quoi. Là, c'était la digestion, ça passe pas. Là. Là, il faut nous prendre une petite tisane pour les intestins. Oh. C'est pas la hutte du violeur, là, qu'on a vu tout à l'heure, ça? Mac Douglas, le violeur. Pipi caca, on est là. Mac Douglas. Pervers notoire. Dans ce genre de milieu, bah, tu te dis c'est chouette parce que tu peux créer du lien avec des gens qui ont plus de 30 ans, voire 40 ans de plus que toi. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. Justement, de se détacher de ce préjugé, de se dire bah, je vais devenir amie qu'avec des gens de mon âge. Alors qu'en vrai, t'as des relations hyper enrichissantes avec des gens qui pourraient avoir plus de 70 ans et d'autres qui ont aussi 20 ans, parce que ça va aussi dans les deux sens. Bon, là, je suis à Bayonne et d'ici quelques minutes, je vais chez une certaine Lala. Enfin, Léa, mais c'est son surnom. Attends, je te montre ma pièce maîtresse, j'en prends. Ok. Notre plus belle céramique. Chez qui je m'incruste vraiment pour bouffer après l'avoir rencontré dans un bar. C'est un dracofeu. Il est cassé, par contre. Attends, fais voir. Genre, normalement, ça s'est collé, mais... C'est mortel. En fait, j'ai passé la journée à chercher des bars dans Bayonne qui voudraient bien me faire jouer dans la semaine. Je pense que c'est mort et j'ai fait un peu le tour des endroits possibles. Mais il y avait une serveuse dans un endroit qui était cool. On a parlé et du coup, je vais bouffer chez elle. Léa est céramiste, bosse en bar, mais suit aussi des études de psycho. On a discuté du sens de la vie avant que ses potes arrivent. Ça, moi, j'abandonne, je pensais que c'était littéraire. J'étais là, vous êtes con ou quoi? Enfin, on savait que ça allait pas être littéraire. Ouais. Ta vie ressemble plus à quelque chose. Après, il y en a des plus grosses. Entre deux bières, on a essayé de définir le bonheur. On a essayé de distinguer le bonheur du fait d'être okay. content. Ouais, c'est très ponctuel. Ouais. Et en même temps, est-ce que, justement, baser ou miser son bonheur sur un peu un rapport au futur, tu vois? Ouais. C'est pas genre se priver de justement avoir un vrai bonheur dans le présent et dans un truc qu'on lit pas nécessairement à, tu vois, une ambition ou une appréhension. En ce moment, je me détache pas mal et paradoxalement, ça me permet de gagner en relation et d'enrichir mon quotidien. Moins j'ai d'attente, et plus je suis ouvert et je kiffe. C'est fou. Mais oui, il y a des chiens partout. Il y en a pas beaucoup. Chien. Ah ouais, non, c'est pas dans ce sens-là que je pensais, même si ça aurait pu. C'est plus, pas genre, le bonheur, c'est il va m'arriver un truc de cool. Le bonheur, c'est genre, je suis plutôt serein et pas anxieux sur mon futur. Donc, présentement, je suis serein. Chien. Toutou. Serein, c'est à penser un futur cool ou du moins penser qu'on va le surfer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On va le ride. Chien. Chien. Saucisse ou chien? Chien. Chien. Après, j'ai quand même un max de taf et je bosse beaucoup, ne serait-ce que pour ce vlog. Moi, je dis, en gros, c'est prix libre, quoi. Vous me donnez ce que vous voulez, mais... Et vous donnez un truc? Bah, ouais, en soi, ouais, vous donnez quelque chose. Bah, je vais vous donner quelque chose. Mais les rencontres que je fais, notamment dans le tarot, sont ouf et valent au moins tous ces efforts. Intensité du regard. Tu peux quoi faire une chose avec ta voiture? C'est reprendre l'autoroute et aller te faire enculer. Il y a un mirador, on dirait. C'est là que les nazis ont tout commencé. Oui, dans ce mirador-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont laissé en mémoire. Mira, ça veut dire regarder. Et d'or. Mira et d'or. Regarde et d'or. Il y a un blanc, c'est le blanc qui mène. White power. En fait, je crois que ça me rend assez heureux quand j'arrive à transmettre de l'envie aux gens. Céline, viens, j'ai un truc à t'offrir. Une merde de cheval. Non. Oh, Mathieu, fallait pas. Oh, putain, je glisse. T'évite de sauter dans le vide, s'il te plaît. Non, je veux t'offrir ce bouquin, qui n'est pas un livre, mais qui est un carnet de notes. De là où je suis, j'ai l'impression que tu te foules la cheville à chaque pas. Qui m'appartient de moi et de... Tu te souviens ou pas du mec fou? Qu'est-ce que la merde? Est-ce que la merde, c'est pas la vie en fait? Ben oui, il était bouddhiste. Il était pilote de chasse, cocaïnomane et bouddhiste. Parce que
c'est quand même un combo intéressant. Chien. Chien habillé. Non, il est trop bien. Ouais, ça va. Oui. Tu pourrais le transmettre plus tard à quelqu'un si tu veux. Enfin, t'en fais ce que tu veux de toute façon. Mm-hmm. Mais non, moi je vois ça plus comme une manière de t'encourager à l'écriture. Céline a toujours voulu écrire et elle fera bien ce qu'elle veut, mais au moins j'aurais encouragé. Et en suivant ce que nous dicte l'étape de cette semaine papétesque, papétienne, et bah, il y a ce truc d'accepter de déléguer des choses, tu vois. C'est libérateur. On est là, on lâche prise. On lâche quelque chose, quoi. Tout. Tout. Et puis, on partage. Genre ça, quoi. Ah oui, faut que tu sois dans le blague, quoi. Ah merde. Flamenco. Ah, flamenco. Olé. Ça part. Oh, il y a un tout petit. Ah. Chien, chien, chien. En vrai, il y a tellement de chiens au Pays Basque qu'on a fini avec un yinche qui nous a suivis après une balade. Mais bon, fallait le rendre, donc on a appelé ses maîtres. Et bah, je vous laisse avancer jusque, je sais pas, jusque après le camping et nous on va faire demi-tour. Non, je suis à pied, mais c'est que je marchais, il m'a suivi jusqu'à chez moi en fait. Ok. Arcane. C'est 20, 22 arpèges de majeur. Super, c'est quoi, c'est des... Chien. 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 Allez, vas-y, chien. Chien. Ah, c'est... Le chien, c'est la danse. Ouais. Ouais. Non, c'est tonique, ça. Ça peut marcher aussi. La danse fusion, ça, c'est super aussi. Parce que plutôt qu'à être catégorisé dans un style de danse, tu vois, on aime bien nous compartimenter, on aime bien nous mettre dans des cases. Mais la danse, c'est un moment... C'est bien quand c'est fusion, non? Ah, il lui chie dessus. Non. Quand on regarde bien, on voit des danseuses partout. Donc ça me semble logique d'essayer de propager de la musique dans ce monde. Même si c'est pas simple. Les gens, ils entendent un peu, mais... Pour les petites terrasses, ça se tente. Genre, tu te dis, bon, il y a une terrasse et je vais leur niquer l'ambiance, tu vois. Mais tu peux pas vraiment faire une rue passante, quoi. Ouais. Ah ouais, le poivre, il est vénère. Ouais. Putain, je me suis mis des petites boules. Ah ouais, ah ouais, j'ai dit, attention, je vois. Il y a plein de choses. Ouais, l'araignée, le saucisson, la bière, le vin, les gens. Ah mais, ouais, oui, mais oui, le truc trop connu, même, il y en avait des gars, ils nous étaient venus, ils nous avaient montré les mêmes trucs, sauf que les Basques, ils en savent rien. Là, il est 8h. Le soleil se lève, mais on est toujours là. C'est un peu dans ce bordel que je commence à me retrouver. Je vais chez des gens et je sais même pas où je finirai la nuit, mais c'est ok. C'est la phase finale, il y a l'hélico qui est prêt pour toi, Céline. Qui sait que t'es en S. Donc tu vois, quelque part, t'es nomade. Mais de l'autre côté, tu t'enracines plus dans tes relations sociales que t'aurais pu le faire si t'avais gardé ton appart à toi. Ouais. Incroyable. J'ai tout filmé, je vous préviens.